Vous savez toute la pluie qu'il y a là ces temps-ci. Il pleut sans arrêt. C'est normal que tu aies froid. Il faut être très courageux et surtout patiente. Tu sais, la maladie vient au galop et elle s'en va au pas. C'est peut-être lent, mais ça va aller. Pauline, tu crois vraiment? Oui. Oui. Je crois que tu vas guérir. Mais il faut avoir la foi. Tu dois d'abord te mettre en tête que tu vas guérir. Tu y crois fermement et la guérison viendra. Je ne suis pas sûre. Ma mère m'a dit que c'est lui. Tu ne peux pas dire ça. Elle dit que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et tant que le souffle de Dieu, le souffle que Dieu te donne encore, tout est possible. Il peut décider que aujourd'hui, même pas demain, tu vas te relever et tu guéris de ton souvenir. Tu le sais. Ça peut m'arriver. Comme je suis là. Oui, Mira. Tu sais qu'il y a eu des cas que nous connaissons sur lesquels on ne comptait pratiquement même plus. Mais tout miraculeusement, du jour au lendemain, comme ça, on le trouvait en contact. Et ça, toi-même, tu sais que c'est très possible. Oui. Pour l'instant, c'est possible. Pour nous autres, avec tous mes péchés là, ça ne peut pas m'arriver. Avec tous mes sacs de péchés, tu ne peux pas parler comme ça. La grâce, c'est pour tout le monde. Qui est-ce qui est même saint ici-bas? Toi, tu as déjà rencontré un saint un jour dans tout ton parcours de ta vie. Moi, non. Hein? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est parce que nous sommes pécheurs que Dieu a envoyé son fils unique pour nous sauver. Il faut simplement lui donner ton cœur. Prie et crois. Tu sais, c'est des personnes comme vous qui devaient prier pour moi. Vous autres, Dieu peut vous écouter, mais une comme moi, Myriam, détrompe-toi. Il ne faut pas parler comme ça. Tu crois que nous sommes comment? Nous sommes aussi des pécheurs. Nous sommes tous de grands pécheurs. Il faut simplement prier Dieu très sincèrement. Prie et crois. Et surtout, fais tout le possible pour éviter de faire trop de mal.
C'est lui-même qui nous a formés. Il nous a formés à partir de quoi? À partir de la poussière. Et qu'est-ce qu'on peut donc attendre de la poussière? Pas grand-chose. À part salir. Et ça, Dieu lui-même le sait. C'est pour ça qu'il ne nous demande même pas grand-chose. Il sait que nous sommes faibles. Abandonne-toi à lui. C'est tout. Tout ça, c'est... Ça conforte beaucoup. Merci. Appelez. Je me sens un peu plus légère. Moins angoissée. Je n'arrive pas à bien prier. Miriam, personne ne sait bien prier. Il faut simplement parler à ton Dieu, le plus simplement du monde. Comme tu parles à ton père, à un proche, comme tu me parles à moi-même, là maintenant. Quand tu lis ton tout petit secret, ce que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre que lui seul qui nous a créés. Demande-lui de te donner la force de te lever pour aller te chauffer au merveilleux soleil que lui-même a créé. C'est ça la prière. En tout cas, moi, je ne connais pas une autre prière. Merci. Je ne sais pas. Ça ne vient. Tout cela me fait. Tout ce que tu me dis. Ça me fait du bien. Merci. Merci beaucoup. Mais tu ne dois même pas me remercier, Mira. C'est tout à fait normal.